Bonjour et bienvenue dans Entre du Cafard pour un nouvel épisode de notre Let's Play Rimworld Alpha 12, la tribu des cafards. Où en est-on? On a actuellement 7 repas, tout se passe à peu près bien il me semble. Oui, ça a l'air. On a 2 éoliennes, on a une maison de plus. Est-ce qu'on a bien attribué les maisons aux différents gens? Famine fait la bouffe. Yendel devrait pas être là. On lui a pas fait un truc à Yendel? Yendel, pourquoi tu vas pas travailler chez toi plutôt que de squatter la maison du cafard? On peut pas attribuer les choses à des personnes précises, il me semble. Travailleur Yendel. Non, ça manque ça, ça manque. Arc bâclé, super. Bon, bah on va pouvoir en refaire un. Hein. Ah, mais c'est peut-être parce qu'on n'a rien demandé ici en fait. Arc. Hop. On va faire des arcs ici plutôt. Et ok. C'est Yendel qui le fait, c'est un peu gênant. J'aurais préféré que ce soit Cafard. Ah, vous êtes pas bien organisés, les mecs. Non, mais c'est plus rien ça. Faut qu'on augmente la zone de stockage. Zone. Voilà. Un peu plus. Parce que là, on n'a pas assez. Oh, il y a des tonnes de trucs vides. Bon. Travaillez bien, les gens, niveau bouffe. 8 repas. On n'a pas plus de bouffe. On n'est pas en train de chasser comme des porcs, normalement. Toi, tu fais quoi? Tu nettoies, tu te reposes, tu manges, tu transportes. Et on a apprivoisé un sanglier, impeccable. Ça nous fait 4 sangliers, c'est pas mal ça. On va pouvoir commencer à faire la meute de Mister Tofu. Donc pour la meute de Mister Tofu, va falloir qu'on les entraîne tous au moins à suivre. Voilà. Les alpacas, on n'a pas besoin de les entraîner, ça sert à rien ça. Ah bien, on a du foin qui arrive. Ça c'est cool. Ça c'est cool parce qu'on en avait plus du tout. Maladie grave. Quoi? Insolation extrême? Mais il fait 41? Ça va, il fait 41 quoi. Yendel est réservé par Swamiga. C'est pas si chaud que ça, si? Vous êtes comment tous les autres? Début d'insolation. 40 degrés. Ça devrait aller. T'es peut-être trop chaud. Ah mais attends, mais t'es super... Déshabille-toi, imbécile! On n'avait pas paramétré les trucs, là? Ah non, on n'avait pas paramétré. Alors, tout effacé. On autorise juste les guenilles de sauvage. Point. Et puis, on va ajouter une nouvelle panoplie qui va être le cafard. La panoplie du cafard qui, lui, a le droit à un petit peu plus de trucs puisque ce n'est pas un indigène. Et lui, donc, il a le droit à un chapeau de cow-boy, un pantalon, une chemise et un manteau. Voilà. Et un gilet pare-balles. Allez, tout le monde à poil, là. Vous êtes censés tous vous foutre à poil, hein? Ça va mieux, Gendal? Quelle idée aussi. Franchement, un bonnet en laine, un pantalon en laine de Muffalo, un t-shirt en laine de Muffalo et un gilet pare-balles. Tu m'étonnes que t'as trop chaud. Niveau de nourriture faible. Bah oui, malheureusement. Faudrait que ça chasse un petit peu plus là. Là, ça se chasse. Tortue. Ça c'est quoi, un cobra? Chinchilla. Ça manque d'un troupeau de trucs qui se mangent vraiment là.
Sangliers, oui, on les apprivoise. Eux, on les apprivoise, apprivoisés. Y a pas de capybara ou de... Non, on dirait qu'il n'y a pas de capybara. Oh, les boomalopes, on va éviter. Si, il y a des capybaras par là. Hop! Établi de forgeron, cuisinière. Ah, atelier de tissage en bois, impeccable. Vas-y, fais des guenilles. Et t'en fais en boucle, avec tout ce que tu trouves. Faut en faire des biens. Ah. Et déposer sur le sol. Alors, animal fou, un sanglier est devenu fou. Attention. Qu'est-ce qu'on va envoyer? Le cafard? Sois Amiga. Pourquoi t'as pas de pantalon? T'as un pantalon, cafard? Pourquoi t'as pas de pantalon? Attendez. Outfit. Ah, parce que j'ai oublié de mettre le cafard en vêtements le cafard. Autant pour moi. Vas-y, Tofu. T'as le droit de tirer un petit peu. Une flèche, deux. Une deuxième. Hop, tant pis pour toi, c'est fini. T'as loupé. Non, non, tu t'en vas. Merci. Sois Miga, ça va? Ouais, ça va. Ça a soigné assez vite. Famine, famine, t'es où? Famine. Là. Vas-y. Et on n'a plus de repas encore. Allez, un petit peu plus d'efficacité sur la chasse, s'il vous plaît, là. Un raid, un groupe de bris. De pillards de. Un groupe de pillards de pirates. Ok. Effectue un débarquement orbital en plein milieu de la colonie. Super. Bon, allez, tout le monde en position. Vous avez qu'à ranger, de rentrer dans une baraque là. Famine, casse-toi, t'es en plein milieu. Attends. Famine, t'as un animal, c'est ça? T'as le chien. Qu'est-ce qu'ils ont? Couteau, fusil, pistolet, fusil. Faut qu'on les attaque au cac là. Yendel est inapte au service. Il s'est toujours pas remis de son insolation. Famine, à couvert. Ah, tapez pas mon chien! Attention! Attention, Murderous! Pourquoi tu te déplaces? Famine, envoie-le! Attaque! Attaque! Allez, allez, protégez les chiens! Sois Miga, c'est parti! Tofu, en position! Non, chien! Salaud! Allez-y! Butez-le! Butez-les tous! Tuez-les tous! Ils essaient de s'enfuir. Chopez-les! Allez! Touchez! Allez, vous pouvez le faire! Pas vous. Cassez-vous. Ah, les salauds! Ils ont tué notre chien! Il y en a bien un qui peut le rattraper, là? Non, tant pis. Tra. Sao. Bon, Yendai, tu récupères? Allez, un petit effort, quoi. Conscience critique. Non, mais sérieusement, il fait 36, ça va. On va être obligé de te mettre ailleurs. Tant pis, on va refaire notre climatiseur, hein, notre petite pièce réfrigérée. Hop. On va démonter ça. Si on met tout en zone de base, ça récupère ou pas? Alors, structure, il nous faut une porte en métal. Il va nous falloir des câbles. Attendez, qu'est-ce qu'on a fait là? Si, on l'a fait ici.
On a fait la batterie. Ce serait bien qu'on en ait plusieurs, c'est ça? C'est vrai que ce serait bien qu'on en ait plusieurs. Alors on va en faire une ici. On a bien vu quand on a essayé de faire dans un épisode où on a dû recharger que vivre aussi proche les uns des autres dans un environnement moche, ça marche pas. Allez, évacuez-moi tous ces débris là. Hop, une petite porte. Et l'été vient de commencer, génial! Début d'insolation. Pourquoi t'as pas été soigné, toi? Allez, famine! C'est bon. Comme ça, Swamiga peut retourner chez lui et il se sentira un petit peu mieux. Bon, bon, bon. Toi, t'as quoi comme vêtements? Chemise, pantalon. Rien de bien exceptionnel. Je suis déçu pour le chien quand même. Mauvaise humeur. Fort Pierre est de mauvaise humeur. Qu'est-ce qui va pas, Fort Pierre? T'as très chaud, t'as faim, t'es nu, tu te sens mal. T'es nu, nu? Ah ouais. Ah, normalement, ça devrait s'arranger, ça. Là. Pourquoi tu portes? Bah ça y est, t'emportes, non? Pourquoi t'emportes pas? Je comprends pas. Guenilles de sauvage, t'es censé les porter. La panoplie anything, guenille de sauvage autorisée. Porte un truc là. Pourquoi tu portes rien? Médiocre. Si tu les transportes et que c'est dans un truc de stockage, tu vas les mettre. Voilà. Qui est à poil? Tofu, t'es à poil. Bâclé ou horrible? C'est quoi le plus nul? Question conne. Valeur marchande 78. Valeur marchande 108. Ça a l'air mieux, non? Où est-ce qu'on voit les stats? Protection contre le froid, moins 12, 6. Donc horrible, c'est mieux que bâclé, d'accord. Yandel, il porte rien non plus. Inapte au service, super. Toi, t'es bien habillé. Sois miga. Vas-y, transporte-nous ça. Vas-y, t'as le droit de les mettre. Voilà. Famine. Ensuite, c'est bon, je crois. Il n'y a que Yendel. Yendel, tu te relèves quand, là? Tu comptes rester comme ça pendant longtemps? C'est vrai qu'il fait très chaud. C'est réfrigéré, là? 23. On va faire des lits, là-bas, du coup. Équipement. Lit en acier. Ça doit pas être très confortable. Ou des lits royaux. Peut-être des lits royaux. Hein. Ça va être les infirmeries ici, donc bon. Le cafard, je veux bien que tu le fasses. C'est assez urgent parce que Yandel, il est pas du tout en forme là. Allez, vas-y. Vas-y. Alors, on va mettre ça en lit médical.
Ça, on le met comme truc de prisonnier, par exemple. Et le cafard, tu vas t'occuper de Liendel. Impeccable. Ben voilà, Liendel, ça va mieux. Pendant ce temps, nous, on revendique la zone. Il n'y a pas un moyen plus rapide pour revendiquer. On peut pas faire... si, revendiquer. Voilà. Mieux. Très bien. Très bien. On n'a plus de prisonniers? D'accord. J'avais complètement oublié. Est-ce qu'on a des armes bien? On a un arc médiocre. Qui est-ce qui peut... Qui est-ce qui doit avoir des arcs, là? Toi, tu dois plutôt avoir un arc. Alors, arc médiocre. Hop. Un raid! Un groupe de pillards indigènes qui vont se préparer, d'accord. Ben nous aussi, on va se préparer. Mister Tofu, 16 en tir, pas mal. Liendel, toi, il te faut une arme. Eh, on a vraiment pas assez d'armes. On n'a pas un arc en trop par là, bâclé. Ouais, c'est pas top. Lance, couteau. Tireur d'élite. T'as un bon arc ou pas? Bon, oui. L'important, c'est que le cafard et Swamiga aient des armes de corps à corps plutôt correctes. Bon, ils sont où ces cinglés, là? Oh, putain, qu'ils sont nombreux. Tout le monde en position. On n'est pas encore prêt à voir notre meute de sangliers, là. Je préfère éviter. Tout le monde a son équipement. Alors... On va se mettre en position. Famine, ici. Qui a de la distance aussi? À peu près tout le monde maintenant. Allez. Allez, le cafard et Swamiga, c'est vous qui devez choper les ennemis au passage. Non, ça c'est de la distance. Choper les cacs. Allez-y. Allez-y. Flinguez-les. Yes! À couvert, vous avez pris cher. Non, essayez de les buter. Allez. Oh, on se replie. Oup, 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 oup. Non, non! Putain! Swamiga est mort. Et Liendel est à terre. Cafard. Au feu, ok. On va se préparer, on va ressortir. Tofu, famine et fort pierre. On était mal placé, on était trop à découvert. On va essayer d'attaquer les deux du sud. Ah, ils ont décidé de kidnapper. Merde, merde, merde. Ils vont essayer de kidnapper Liendel. On les laisse pas prendre Liendel. Allez. Allez, allez. Sortez le cafard, tu les chopes. Go. Go. Feu! Feu! Ne loupez pas, bordel! C'est bon. Ah. Attention, il revient. Il revient, il revient, il revient. Le cafard, chope-le! Allez! Un groupe de combattants amicaux viennent d'arriver. Oh putain! Ouh, foutez de moi, là! Laissez pas s'enfuir. Interception. Vas-y, fort pierre, vas-y, chope-le. Non, 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 chope-le. Yes. C'est bon, il s'enfuit. Oh. Bordel. Éteignez-moi cet incendie avant que ça se propage. Désolé, Swamiga. Alors, Swamiga. Est-ce qu'on a déjà demandé à ce que dans les tombes... Qu'est-ce qu'on a demandé dans les tombes? Il faut refuser les corps de colons. Voilà.
Soit Amiga, je suis désolé. On a fait ce qu'on a pu, mais là, ils étaient trop nombreux. Tu vas avoir le droit à un sarcophage. On n'a peut-être pas assez de blocs de calcite encore. J'aurais bien fait un sarcophage en pierre, mais on n'en a pas. Hein. T'auras un sarcophage en acier. Et il sera... On l'aménagera un petit peu mieux, mais pour l'instant, on va le mettre... un endroit où on aura de la place. Pas à côté de ce cimetière-là. Ça, c'est les ennemis. Plutôt par ici, je mettrais. Tra. C'est moche. Famine, du coup, tu viens d'être promu médecin principal de la colonie. Alors, vas-y. Et il nous faut un médecin secondaire. Mister Tofu. Médecin secondaire. Tu sais quoi, Tofu, tu le soigneras plus tard. Commence par soigner Famine. Et quand t'as fini, Famine, va falloir que t'ailles soigner Yendel après. Ça lui prend 15 ans à Tofu pour faire ça. On a eu un animal en plus. Ah ouais, on a eu un alpaca en plus. Infection, qui? Combo, c'est le nouveau, c'est pas grave. Faut soigner quand même. Ah, c'est moche. Du coup, on a plus de geôlier. Fort Pierre a l'air d'être moins nul. Est-ce qu'il est recrutable, ce type? Pff, il est même pas recrutable. On va le relâcher. On va le foutre à poil et on va le relâcher. Vas-y, Fort Pierre, déshabille-le. Et sortez-le. Eh, ta. Qu'est-ce que tu fais là? Mais tu l'as pas foutu à poil! Tous ces gens là, faut les foutre à poil, on veut récupérer leurs vêtements. Non, pas consommer, déshabiller. J'ai cru que tu voulais manger les cadavres, non, ça va. Combo est parti en bonne santé, les relations ont été augmentées de 15. Ouais. Bon, ça pourrit ou ça pourrit pas là? Je sais pas si ça pourrit. Pourrira dans 80 jours. 45. Oui, ça perd des PV. Ah, c'est à ciel ouvert, j'ai oublié. Quel boulet. Retirer zone à ciel ouvert. C'est pour ça que ça a pourri. Voilà, maintenant ça s'endommagera plus. On va pas perdre connement notre foin. Qu'est-ce qu'on a comme cuir qui pourrait nous servir? Rien, on n'a pas beaucoup de cuir. Qu'est-ce que vous faites tout ça? J'ai du mal à comprendre ce que vous faites. Je vous vois beaucoup marcher. Pas faire beaucoup de repas, par exemple. Oh non, Famine, non, tu vas pas me faire ça, là. Tu vas pas me faire ça, Famine, s'il te plaît. T'es en train de faire de la merde. Commence par tout dépecer. Ça ira bien mieux après. Regarde, c'est en train de pourrir sur pattes, là. Tu fais n'importe quoi. Faut tout le temps te surveiller, hein. Allez, fais des repas. Pas possible, hein. On a un singe qui a pourri, là.
Désespérant. Mauvaise humeur. Bah tu m'étonnes. T'as un singe pourri dans ta pièce. Tu m'étonnes que tu sois de mauvaise humeur. C'est ta faute en même temps. Hein. C'est entièrement ta faute. Maintenant t'assumes. Allez, dépêche-toi. Hein. Alors au lieu de ramasser ça là. Si tu transportais tout, ça irait mieux. Au lieu de ramasser juste de quoi faire un repas. C'est mieux comme ça, non? Voilà, ça marche. Impeccable. Maintenant, on a des bons stocks de repas. Qui pourriront dans 4 jours. Et t'as le droit de te reposer, au fait. Le boulot est fait. Ça c'est mort. Récupérez ceux qui sont morts. Je comprends pas pourquoi des fois vous les laissez pourrir sur place. Là. Alors là il y a des trucs pourris dont il faut qu'on se débarrasse. Bâclé normal. Il nous faut plus de vêtements. On en est où de l'entraînement des animaux? Tofu, qu'est-ce que tu fais le jour? On n'a pas de bouffe. Hein. Ah, on n'a pas de bouffe. Ça, c'est gênant. Attends, comment ça, on n'a pas de bouffe? Ça va venir, non? Là, c'est prêt à être récolté. Ah oh, merde, c'était Swamiga qui s'occupait des récoltes. Fermier, et merde. Oh, la mort de Swamiga, c'est vraiment pas cool pour nous. Eh bon, j'ai envie de dire, ça va se passer comme ça dans la tribu des cafards. Hein. On aura beaucoup de morts. Sans technologie pour nous protéger, c'est beaucoup plus dur. Vas-y, vas-y, tu peux le faire. 15% raté, dommage. Essaie de nous en récupérer un maximum. Alors, l'arc. Un arc bon. Ça, c'était quoi? Médiocre? Toi, t'as quoi? Excellent. Yendel, t'as rien. T'as donc le droit à un pigabon. Impeccable. Le cafard, il te faut une arme de mêlée. Elle est où ta super lance? Là. Et maintenant tout le monde a son arme? Ok. Alors, arc bon, arc excellent, pilabon, lance supérieure. Et Swamiga est-elle spécac? Ah, oh, c'est con qu'on ait perdu un de nos spécac en plus. Faudrait peut-être qu'on en qu'on rechange quelqu'un en cac plutôt, non? Riendel, tu vas passer au corps à corps. Tu vas prendre ce couteau en plastacier normal. D'ici à ce qu'on refasse une bonne lance, c'est ce que t'auras. Alors. Ah, 7%. Vous êtes pas très très bon, hein? Fort pire, qu'est-ce que tu fais? Tu visites la tombe? Bon. Petite progression, hein. On a perdu une personne, notre nombre d'animaux augmente, malgré la perte du chien. On a perdu deux personnes en fait, on a perdu Swamiga et le chien, on a récupéré plus d'animaux, ça compense pas encore vraiment. Hein. Il nous faut plus d'équipement, il nous faut plus de vêtements de bonne qualité. Voyons voir,
T'as quoi, toi? Horrible 54. Pourquoi tu mets pas ça plutôt? Normal, de meilleure qualité. Voilà. Normal 48, ça t'enlève pas de. Médiocre. Bâclé 99, y a mieux là. Y a du médiocre, médiocre, horrible. Pour peu que ça protège, il faut quand même qu'on essaie d'avoir des trucs de meilleure qualité. Je sais pas si ça va suffire à faire quoi que ce soit. Mais il faut qu'on essaye. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. C'était le Cafard Critique pour un petit peu de Let's Play. Rimworld Alpha 12, la tribu des cafards. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker l'épisode, partagez-le, commentez-le. Posez-moi toutes les questions que vous voulez sur Rimworld, ses modes et l'Alpha 12. Si vous voulez rejoindre la colonie, demandez-le-moi en commentaire de cette vidéo avec le nom que vous souhaitez pour votre colon. Et moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Bye!